Бак Марчелло, Адажио. Par époque ancienne. Même époque, mais pas même style. Compositeur italien, Domenico Scarlatti, je vais vous interpréter trois petites sonates. Thank you.
Beaucoup de kilomètres. Pour une fois, ça me fait très plaisir de jouer dans ma région. Et ça fait plaisir que beaucoup de gens se déplacent pour voir un concert d'accordéon. C'est tellement rare. Enfin, on est très heureux d'être ici. Alors après le classique, moi je vais commencer par ce qu'on appelle divertissement variété dans le répertoire accordéon. Donc c'est un répertoire un peu plus français. Je vais commencer par une pièce de Marcel Azola, Caprice Mazurka. Thank you.
morceau au départ classique de Rachmaninov, transcrit par un russe, Yaskevitch, la polka italienne. Thank you.
couper le divertissement variété. Dans le divertissement variété, il y a beaucoup de styles. On met également le jazz, la valse swing de Claude Thomas, Shocking Valse. Pour donner pour moi envie aimer les musiques, montrer pour moi les styles à départ du petit suite pour l'imagination. Donc, d'habitude, je joue les suites qui s'appellent suite pour enfants, pour les enfants, mais il est très intéressant aussi pour l'adulte. Il y a trois petits mouvements dedans. Le premier, c'est polka, le deuxième, c'est un instrument vieux que j'aimerais bien que vous deviniez vous-même. Mais non, je veux dire après si c'est personne qui va reconnaître. Donc c'est un ancien instrument, je ne dis pas plus. Et troisième mouvement, c'est Bataille des coqs. Thank you.
Alors, le deuxième mouvement, c'était La neige. Orgue de barbarie. Voilà, c'est Orgue de barbarie. C'est ça. Maintenant, à demi. C'est à moi. Je vais commencer d'aborder déjà la deuxième partie de tout à l'heure. C'est pas encore la deuxième partie, mais je vais faire plutôt le style de tout à l'heure. Je vais faire une valse musette, pas avec un cordon musette aujourd'hui. Une valse de Maurice Larchange, Caprice Usette. Thank you.
vous avez une bonne imagination. Et pour finir la première partie, on va faire un petit peu... Voilà, quelque part. Prévoir la deuxième partie. Donc on va finir par folklore aussi. En ce moment, en Russie, il fait froid. Vous me croyez, oui. Et il y a une chanson folklorique russe qui s'appelle Валенки. C'est une chaussure pour l'hiver, pour marcher dans la neige. Je ne sais pas pourquoi, mais pour bien s'équiper, il faut une bonne chanson. Voilà. Donc, il y a une thème sur cette chanson et on va faire les variations avec tous les deux. L'année dernière, dans la neige, on marchait dans ce chaussure quand il fait moins 38, jusqu'à une grande salle comme ça, après, avec un grand orchestre où on enregistrait, grand orchestre instrument populaire russe, où on enregistrait tous les deux avec Tommy, ce duo sur son dernier CD qui est sorti, qui est très beau. Et qu'on va vous proposer pendant les pauses. Voilà. Donc, plus pour Fantasie Russe.
Thank you.
Thank you.
Merci à vous. Vous êtes super public. C'est moi. On est toujours en Russie. Quand il fait froid, en Sibérie. Thank you.
Thank you.